Oriental poison allez comme à tous mes très chers abonnés. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien, tant mieux les frères et sœurs. Si vous pétez la forme vous aussi également et que tout va bien pour vous également, tant mieux aujourd'hui. Moi en tout cas, je voulais vous dire, moi ça va nickel, tout se passe bien. Les abonnés, vous êtes là sur YouTube, vous êtes là sur Twitch, ça fait plaisir. Vous êtes partout quoi. Vous êtes même sur la nouvelle chaîne Abdel, pas drôle. Et ça fait plaisir ça. Je voulais vous remercier encore mille merci à tous. à tous les gens qui sont abonnés à ma deuxième chaîne, merci à vous. Pour ceux qui veulent bien, elle sera dans la description. Aujourd'hui les frères, voilà. On se retrouvait pas pour ça, mais on se retrouvait aujourd'hui pour parler d'un Américain. Euh, L'article sera dans la description. Un Américain assez bête. Hein, parce que son passé a fini par le rattraper. Et aujourd'hui justement, la morale de cette vidéo, c'est justement que le passé finit toujours par tous nous rattraper un jour, les frères et sœurs. Vous savez, le passé finit par nous rattraper un jour. Et je vous l'avais même dit une fois en termes de sport. Hein, je vous avais dit qu'on se blesse, le corps, lui, n'oublie jamais les blessures. Tu vois, à 50 ans, tu vas commencer à avoir mal à l'épaule, tu vas te demander pourquoi tu as mal à l'épaule, mais tu vas te rappeler parce que à 15-16 ans, tu t'es grave défoncé l'épaule, tu t'es fait un putain de claquage à l'épaule, sauf que toi, entre-temps, ça allait mieux, tu es jeune, tout va bien et tout ça, ça, ça protège le fait que tu sois jeune, tu es, es plein de vie, tu, tu vois, tu vas bien. Mais après, quand tu vieillis, malheureusement, tu commences à ressentir justement les douleurs. C'est comme moi, je suis pas vieux, tu vois, mais on va dire j'ai mal au genou. Enfin, moi j'ai eu des opérations au genou, et ça vous le savez que j'ai pris cher au genou gauche. Et bien, quand je sors des fois, et je sais pas vous, pour certains qui se sont soit cassé un os, ou soit vraiment un tout petit peu fait, même même un petit craquement de l'os, tu vois ce que je veux dire. Des fois, quand vous sortez, quand il fait froid, vous sentez un peu la douleur, vous sentez l'os, tu vois que ça va pas et tout ça, tu vois, tu, tu sens quelque chose. Et bien, plus tard, c'est ce qu'on sentira. Les blessures finissent toujours par nous rattraper, et ce qu'on fait finit toujours par nous rattraper. Je vais vous expliquer donc ce que ce, que ce jeune américain a fait. C'est tout simplement une personne qui avait des armes illégales sur lui, hein, pas du tout légales, même illégales de ouf. Hein, des, des, des belles armes, on va dire. Vous comprenez ce que je veux dire Et il vendait également de la cocaïne. Donc il a été attrapé euh, par la police et il a été mis en prison pendant un bon petit moment. Il est ressorti de la prison et. Quelques années plus tard, et bien tout simplement, euh, malheureusement, cet homme a republié une vidéo où il tenait une arme comme ça. Alors bien sûr, comme vous le savez, en Amérique, ils ont le droit de porter une arme, mais attention, lui, vu que ça a été un détenu, on l'a interdit de porter une arme, parce qu'il avait justement eu des problèmes avec des armes et de la cocaïne. Donc forcément, en ressortant de la prison, on l'a interdit euh, formellement de porter des armes. Alors, malheureusement, il n'a pas eu de chance parce que quand il a fait cette photo et qu'il a mis sur Facebook, le FBI surveillait sa page Facebook parce que tout simplement c'était un moment où le FBI s'est penché sur ce type-là. Parce que si toi tu les oublies, eux, la justice et le FBI, ou même ton passé, lui ne t'oubliera jamais. Hein et malheureusement pour lui, juste au moment où il publie cette photo, il était surveillé encore par le FBI et il a été pendant un moment. Il n'avait plus été surveillé pendant un moment, et le FBI s'est penché un tout petit peu sur son cas au bout d'un moment. Alors, je pense que le FBI ont dû savoir que le mec avait ramassé une arme ou acheté une arme, et ils ont dû le surveiller sur les réseaux sociaux en attendant qu'il fasse une connerie. Alors, bien sûr, il a fait la connerie de mettre sur Facebook, et le FBI lui tombait dessus en plein... Quand il a balancé ça, il lui tombait dessus en plein dans la gueule, le FBI. Alors, il a eu de la chance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, à force d'avoir oublié son passé, à force de vouloir être un tug-life, Monsieur a failli prendre. Alors, je dis bientôt Glaive parce que pour moi, à ce niveau-là, il faut vraiment faire gaffe. Et vous allez comprendre pourquoi. À ce niveau-là, c'est le moment où il faut faire vraiment gaffe à sa vie. Parce que là, ce qu'il attendait, c'était une perpétuité. Ce qui veut dire qu'il allait vivre maintenant jusqu'à la fin de sa vie en prison. Et je peux vous dire qu'à mon avis, comme vie, il doit en avoir des meilleurs. Certains n'arrivent pas à se rendre compte, même moi, comme vous, je n'arrive pas, me... pas à me rendre compte ce que c'est qu'une perpétuité. Mais à mon avis, ça doit bien être chaud. Ça doit bien être chaud. Parce que j'étais au Jol de Marseille quand j'ai fait des conneries quand j'étais plus jeune. Quand j'ai fait des bêtises. Hein Je peux vous dire déjà que les geôles, ça pète tellement les couilles parce qu'il y a la lumière qui est allumée. Ça gueule de partout, ça crie de partout. Ça te donne du riz qui est dur. Qui est dégueulasse. Et puis un petit bol de riz en 24 heures. Tu manges un bol de riz, petit bol de riz, tout dur. En 24 heures, ça crie, ça... t'as froid. Tout est fait pour que tu sois pas bien, une caméra juste en face de ta gueule, vraiment tout est fait pour que tu ne sois pas bien et c'est le but. C'est le but en même temps. Hein. Faut pas que non plus en prison ce soit les vacances parce que bon, on va pas se mentir que entre les prisons américaines et les prisons françaises, vous allez voir justement un ami à moi qui était en prison, il était habillé en TN Lacoste et il avait un téléphone, il avait même une console de jeu. Voilà, hein. les prisons ne sont pas les mêmes dans certains pays. C'est peut-être ce qui fait qu'en France aussi, on n'a pas trop peur de faire des conneries. On n'a pas peur de la prison. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont peut-être pas peur de la prison. Et je pense que ça, beaucoup d'entre vous, les frères et sœurs qui me regardent et qui m'écoutent maintenant, ils me diront Abdel, tu n'as pas tort. Beaucoup n'ont pas peur de la prison. Parce que ici, la prison, vous avez vu comment ils sont habillés les détenus Est-ce que vous êtes déjà allé voir quelqu'un en prison Pas quelqu'un de votre famille forcément. Un ami. Un ami lointain que vous connaissez depuis très longtemps ou quoi. Ils sont habillés parfaitement bien. Ils ont des téléphones, ils ont même du crédit. Même moi, je n'ai pas de crédit, cousin. Eux, ils en ont. Ils ont une PlayStation. Alors, quand tu vois la différence de prison, des fois ici et là-bas, il y a une sacrée différence. En tout cas, voilà. Comme je vous ai dit, il a échappé à la perpétuité et il a eu 15 ans de prison. Déjà, vu ce qu'il a pris comme prison avant, vu l'âge qu'il a, et avec 15 ans de prison, s'il fait pas de conneries, il sortira peut-être sous les 15 ans. Mais vraiment. Il éva... Ce mec-là est vraiment une vie de merde. Vous vous rendez compte, les allers-retours prison C'est quoi cette vie C'est quoi cette vie Mais pour vous dire les frères, le passé finit toujours par tous nous rattraper. Tous comme on est les gars. Faites bien gaffe à ce que vous faites quand vous êtes jeunes. Parce que je vous jure qu'il y en a plein qui ont fait des conneries quand ils étaient jeunes. Et des fois, ils se sont fait emprisonner 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard. Parce qu'ils ne savaient pas, mais la police les cherchait. Mais eux ne le savaient pas. Ils ont fait des coups, des mauvaises choses, et ils ont cru que c'est passé. Ils ont cru que c'est passé ce qu'ils ont fait. Imagine, tu tapes un mec, boum, 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 tu le cognes là, derrière, bam, tu lui en mets une vraie. Tu le rends handicapé, tu te barres, tu le fais tomber par terre. Lui, il est devenu handicapé à cause de toi. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu es parti, tu te dis juste, ouais, je me suis tapé comme ça avec lui. Seulement, tu l'as tapé au mauvais endroit. Et la police n'ont pas réussi à te retrouver, mais ils ont des images de toi. Ils ont des empreintes de toi. Plein de choses de toi. Mais ils n'arrivent pas à te trouver encore. Et un jour finira où un policier plus que les autres décidera de se pencher sur ton dossier. Et ce jour-là, mon pote, tu vas non seulement euh, te faire mettre en taule pour ce que tu as fait, mais tu vas aussi bouffer pour tout le temps que tu es resté dehors au lieu d'être à l'ombre. Donc le passé, les gars, il ne faut pas croire, mais il finit toujours par nous rattraper. Faites attention à ce que vous faites. Je sais qu'on vit dans un monde où c'est devenu euh, de la merde. On vit dans une époque où c'est devenu de la merde. Quand je parlais de la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, elle n'est pas plus méchante que la jeunesse de l'époque. Mais sauf que la jeunesse de l'époque était moins méchante. Parce que la, vie... enfin, la jeunesse de l'époque, elle n'a pas connu les PC Internet. Donc forcément, la jeunesse de l'époque avait, on va dire, quelque chose de plus difficile au niveau des insultes. C'est vrai que maintenant, on... dans une vidéo, j'avais dit la jeunesse, la jeunesse... Mais quand j'y pense bien, la jeunesse, eh ben, elle n'est peut-être pas aussi mauvaise aujourd'hui qu'avant. Peut-être que ma jeunesse à moi, mon époque à moi, était plus mauvaise que la vôtre. Peut-être que votre jeunesse d'aujourd'hui est la bonne et la meilleure de toutes. Qu'est-ce que ça serait ma jeunesse à moi de l'époque si on avait tous Internet Si on avait tous Facebook, Twitter Ça serait peut-être peut pire qu'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire Mais aujourd'hui, voilà. On est dans un niveau. Hein, on, est, on est arrivé à un niveau où il y a Internet, où il y a tout ça. Et les gens sont vachement méchants les uns avec les autres. Et je t'avoue que des fois, t'as envie d'en attraper deux 3 Et t'as envie vraiment de leur péter la mâchoire. Parce qu'ils n'ont aucun respect. Et aujourd'hui, les gens ne comprennent pas sur internet avec la gentillesse. Si tu leur dis, s'il te plaît, arrête. Stop. Il, il, ne il ne comprend pas. Il, il ne comprend pas. C'est ça qui est triste. Et il ne comprend pas parce qu'il est derrière un PC. Tu vois ce que je veux dire Mais s'il aurait été devant toi, il aurait peut-être même pas essayé. Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est triste dans notre monde. C'est que internet, c'est bien. Mais ça pervertit les mentalités des gens. Les gens deviennent cons avec Internet. Ils deviennent cons. Ils arrivent même plus à avoir ce putain de respect. Et pourtant, ils ont une famille comme la vôtre et comme la mienne. Ils ont une femme qu'ils appellent maman et un homme qu'ils appellent papa. Mais qu'est-ce que ça peut être des petits connards sur Internet Qu'est-ce que ça peut être des petits connards Qu'est-ce que ça peut être des putains de têtes à claque Pourtant, voilà. On arrive dans un monde où on esquive tout. Mais voilà, hein. C'est-à-dire que là, c'est pas comme dehors à l'époque. Hein. À l'époque, tu faisais une connerie, c'était dehors. Et là, ben, ton ton passé te finissait par te rattraper. Sauf que maintenant, ben, c'est sur Internet. Les Tug Life, on les trouve sur Internet maintenant. Hein, les gros voyous, on les trouve avec des claviers. Hein, les gros voyous, maintenant, ils sont avec des claviers et avec des souris. C'est bien tristouné mais voilà. En tout cas j'espère que cette petite vidéo les frères vous aura servi un tout petit peu, vous aura donné quelques petites idées, en même temps ça vous a raconté une petite histoire, j'ai vu que vous aimez bien les histoires un tout petit peu des fois. Hein. J'ai vu que vous aimez bien les petites histoires un tout petit peu, vous aimez bien les écouter et surtout vous avez bien aimé, euh, vous aimez bien la façon de laquelle je vous raconte les histoires. Voilà. Bref les gars, si vous avez aimé, si vous avez compris un tout petit peu ce que j'essaie de vous dire dans ce petit message, n'hésitez pas à m'exploser la barre des likes. Je compte sur vous les frères et sœurs. N'hésitez pas non plus à la partager, la commenter, vous abonner, et une dernière chose. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes lives Twitch tous les jours de 21h, non, tous les jours, sauf le lundi. Mais tous les jours, de 21h à 2-3h du matin, on fait du H1Z1, du Garry's Mode, du Call of Duty Multi, du FIFA, du Call of Duty Zombie. On fait vraiment plein de jeux. H1Z1, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Là, on va faire du Rambo Six Siege. Il y aura des abonnés, il y, un, il y a un espace commentaire où ça se parle, où on échange. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre tout à l'heure à 21h. Je serai en live. Même si vous voulez, ma chaîne Twitch, c'est GameX13. Vous allez dans la description, vous l'ouvrez, vous attendez 21h, vous la mettez de côté, la page. Et vous irez quand je commence. N'hésitez pas en tout cas à venir nombreux. Je compte sur vous. Ce soir, on va bien s'amuser. On essaiera de bien s'amuser en tout cas. N'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Et n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Twitch. Et un de ces quatre, si vous pouvez, n'hésitez pas à vous sub. Comme ça, vous aurez mon TS. Vous pourrez venir parler un peu avec moi, échanger un tout petit peu. Si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, vous aurez le TS. Donc, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Elle est dans la description. C'est gamex 13 Je vous dis, et eh bien, à tout à l'heure si vous me rejoignez. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, prenez soin de vous. Prenez soin de la Mifa. Ciao tout le monde.